Parce que c'est moi, j'ai écrit le matin, on m'a donné le rendez-vous l'après-midi. Ok? Et j'ai des personnes que je connais très bien, qui avaient déjà demandé une entrevue, on les a roulés dans la farine. Ok? Moi, j'ai eu aucune. Mm-hmm. Je l'ai obtenu parce que j'ai fait mes preuves ici, comme j'ai fait mes preuves en Haïti. Ici, il est au courant de tout ce que j'ai fait. J'ai cédé le conseil ethnique des droits humains ici. Même si on fait des choses en Haïti, on ne te voit même pas. Parce que c'est comme si on disait que c'est la politique. Non, c'est pas seulement la politique. Mm-hmm. Tu vois? Donc, je me suis pris une maîtrise, ma tête d'ombre des affaires. Les gens sont en train de me dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire comme ça? Alors que je suis en train de partager mon savoir, ma connaissance. Tu vois? Donc, je travaille aussi en amour avec l'alphabétisation que j'ai fait en Haïti. Mm-hmm. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent me dire, je suis en Haïti, j'étais devenue la première femme vice-présidente de la Fédération protestante d'Haïti. Ok? Et puis, tout ce que j'avais dit que j'allais faire, je les ai fait, hein? Le congrès pour les femmes. Ok? Donc, la sanctification aussi, j'ai cherché. Malgré aussi, on m'a roulé dans la famille, mais le ministre m'a fait roulé dans la famille au niveau de l'éducation. Mais il y avait la société biblique qui m'avait aidé à trouver une organisation pour aider les jeunes, les femmes, les jeunes hommes aussi au niveau. C'était la Tiberie. C'était Mme Zamir et M. Sénexon qui étaient coordonnateurs, coordonnatrices dans cette affaire-là. Tu vois? En tout cas, de toute façon, oui, j'ai confiance. Et pour avoir confiance, il faut avoir confiance. Et puis, ce que j'aimerais pas, en revanche, que d'autres arrivent, ils n'ont pas envoyé une lettre comme quoi. Il y a certains qui disent, Haïti là, ça ne vaut pas la peine. Haïti, c'est fini pour Haïti. C'est fini. Je ne veux pas que ces gens-là aient pu faire quelque chose pour dire, ça ne vaut même pas la peine. Et on continue. Maintenant, il y a des choses que je veux dire sur les hommes, présentement, mais je sais que Dieu est avec moi. Mm-hmm. Ça, je sais. J'en suis certaine. Vous croyez, Vous croyez, puisque je vois constamment notre situation s'aggrave. Je sais. Oui, je vois constamment que notre situation s'aggrave. Parce que vous dites que vous avez la confiance que Dieu est avec vous. Oui, je suis pour moi. Et je vais te dire quelque chose, ce même groupe-là, on ne va pas rester ici seulement au Canada. Hein. Je ne vais pas te donner, même si vous êtes scoop, mais je ne vais pas te donner le scoop. Donc, mais qu'il soit donné à l'auditoire, docteur. Que ce soit donné à l'auditoire. Parce que nous sommes scoop. On va parler. Et vous êtes sur scoop. Oui, tu sais, en 2022, là, pas longtemps, en septembre 2022, pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai été reçue à l'ONU. On m'a remis le globe terrestre, il y a un socle dessus, et puis une grosse médaille. Puis, ben, écoute, pourquoi? Leader de la paix et de l'amour. Mm-hmm. Okay? C'était le 21 septembre. Et c'est la journée internationale de la paix. Ça a été réalisé le 23 septembre à Manhattan. Donc, ça fait que je connais du monde. Je peux parler avec les gens. Mm-hmm. Et j'aime mon pays. Mm-hmm. Mm-hmm. Moi, c'est pas que je suis né à Port de Paix. Hein. J'ai grandi à Port de Paix. Non, vous êtes j'ai une belle formation. Mm-hmm. Je suis de Port de Paix, oui. Et okay. J'ai une belle formation. Où est-ce que je vais tenir cette formation? C'est pas ici. C'est Port de Paix, c'est chez les soeurs. Tu vois? Donc, j'ai une belle formation à Port de Paix. Parce que c'est tellement vrai ce que tu dis. Surtout le français. C'est tellement vrai ce que je te dis. C'est que si, par exemple, il y a des gens qui sont ici depuis 40, 50 ans, qui sont dans un pays, surtout au Québec, parce que le Québec, la majorité parle français. Dans le reste, on parle anglais. Mais il y a d'autres personnes qui parlent anglais. Donc, comme il y a d'autres personnes qui parlent anglais. Mais, si tu les entends parler, tu vas dire non.
jusqu'à au Québec, ces gens-là. Donc, moi, j'ai eu ma formation en Haïti. En Haïti, il y a eu de très bonnes écoles. Mm-hmm. Et ce que je constate aujourd'hui, parce que ta tribune, c'est que c'est maintenant, là, je vois qu'on n'arrête pas de citer le nom de mon père. Je suis la fille du docteur Henri de Samar qui voulait aider Haïti. Mm-hmm. Maintenant, il est décédé à l'âge de 100 ans. Docteur Henri. Il n'avait pas besoin de vivre. Oui. Mm-hmm. Et en Haïti, vous savez, bon, ce n'est pas une information certainement, puisque c'est. Alors tout le monde est au courant que les conditions socio-économiques de la masse nécessiteuse, et voilà, c'est, oui. Ces conditions sont des conditions de fragilité, de précarité. Puisque, la masse. Allô, vous dites exécrables. Voilà. Maintenant. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux autorités et puisque vous réfléchissez constamment à la situation d'Haïti, vous préoccupe. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces autorités-là de manière à permettre à Haïti de sortir de cette impasse combien difficile? Je pense que c'est un conseil que tout le monde peut donner, parce que eux autres aussi, sûrement, ils ne sont pas aveugles. Ils ne souffrent pas de la surdité non plus. Donc, eux autres aussi, ils voient. Mais moi, ce que je demande la paix dans le pays. Je demande la paix dans le pays. Je demande dehors de la paix. Comment peut-on y arriver, docteur Roumain? Puisque c'est facile de demander la paix, puisque c'est pas aujourd'hui non qu'on demande la paix au pays. On demande la paix, la paix, mais on n'arrive pas à établir ce climat paisible que tout le monde demande. Mm-hmm. Mais la question c'est comment y arriver, comment arriver à mettre à établir ce climat paisible. Mm-hmm. Bon, il y a quand même vous savez, mais tu sais autant que moi, avec tous ces gens-là qui existent dans le pays. Donc, les gens qui sont responsables de ces gens-là, mon Dieu, ils vont parler à ces personnes-là et de leur demander qu'ils fassent un peu de paix. Pour permettre aux jeunes de vaquer, à tout le monde de vaquer à leurs occupations. Pour permettre aux jeunes d'aller à l'école. De la paix, oui, il faut que je demande la paix parce que je ne trouve pas de solution. Je ne peux pas d'autre mot que de demander la paix dans le pays. S'il y a paix dans le pays, je sais qu'il y a la misère. Mais c'est à travers le monde qu'il y a la pauvreté. C'est pire qu'en Haïti. C'est sûr que c'est pire, mais c'est à travers le monde. Mais lorsqu'on a une sécurité, parce que vous savez, si on n'a pas de sécurité, on n'a pas de paix, on ne peut pas avoir d'amour non plus. Donc, on dirait que il y a ce qu'on appelle l'ennemi qui se passe. Et puis nous n'avons rien dans le pays. Nous n'avons plus rien dans le pays. Mm-hmm. Ça fait mal. C'est une honte mondiale, hein. En 2023. Et puis tout le monde est parti. Tout le monde est venu. Personne ne dit grand chose. Parce qu'il y a aussi un public qui est très à l'aise. Qui est très très à l'aise dans ce qu'ils font. Mais c'est pas possible. Parce que ces gens, c'est qu'ils sont très à l'aise. On dirait qu'ils font pas un jour qu'ils vont laisser la terre. Ces gens, tu sais, un jour, vous l'avez dit, tout le monde, je ne sais pas, si je suis dans une loi de chat. Par exemple, les gens qui veulent, ils ont plus la poche et puis ils s'en vont. On dirait qu'ils ont vu toutes les qualités. Ils pensent à eux autres. Ils pensent à eux autres. Tout le pays qui avance, hein, tout le pays qui avance. Mm-hmm. Pense aux autres, parce que sinon, rien ne sera fait. Il faut penser aux autres. On est né pour ça. Lorsque vous regardez le juif là, même si vous ne connaissez pas le juif qui est dans le pays, il va l'aider. Hein? Mm-hmm. Il va l'aider. Moi, je m'en souviens, il y avait pas mal de personnes qui revenaient d'Haïti, parce que par les États-Unis qui sont en pays. On n'est pas mis dans un endroit là, au stade olympique. Les gens, alors moi, je le dis à la télévision, ce que je vais te raconter. À la télévision, c'est un journaliste québécois qui avait fait ce reportage.
Et ces gens qui sont là-bas, les gens sont venus leur vendre la nourriture. Et habituellement, ils vendent à 10 dollars. Et puis ils vendent ces plats-là à 30 dollars. 30 dollars à nos frères, à nos soeurs. Parce qu'ils sont venus avec un peu d'argent américain. Mais ça n'a pas d'allure, tout ça n'a pas d'allure. Moi, tout ça, ça me fait mal. Ça me fait très mal de voir ça. Vous êtes politologue, écoutez. Dans certains pays, par exemple le Canada, les États-Unis, la France, en tout cas je prends ces trois pays-là, la politique est faite dans l'idée d'améliorer constamment les conditions de vie de la population. Et de donner à cette dernière la sécurité et de donner à ces derniers à manger, etc. Donc maintenant, mais en Haïti, ça se fait autrement. Qu'est-ce qui fait que la politique en Haïti est faite autrement? C'est-à-dire, elle ne se fait pas, elle n'est pas pratiquée, donc dans le sens qu'on peut améliorer les conditions de vie de la masse. Qu'est-ce qui fait ça? Vous avez. Parce qu'il y a plusieurs personnes que vous allez. Que les gens votent pour des personnes qui sont, pour certaines, pas tous, monsieur, je viens de dire pas tous, qui ne sont pas vraiment des politiques. Certaines personnes de la politique à l'église ne sont pas des politiques. Tu ne sais pas que moi, comme journaliste, comment les gens votent en Haïti, malheureusement. Donc, ils votent toujours comme ça. Comme ça, Alors, et, docteur, mais c'est lié à leur éducation civique. Exactement. C'est une question. C'est une question que j'ai travaillé en amour aussi. J'ai travaillé avec la femme de l'éducation. Et je vais te dire quelque chose. Et je me souviens, il y a une dame de 92 ans qui disait que maintenant, m'éduquer, même si vous avez un passé, après 6 mois, après 6 mois, à venir que je suis éduquée, bien que le débat n'est pas fait encore. Il n'y a pas de chatois, notre bout. Tout ça, c'est pas le bout, mais en tout cas, c'est comme ça que je veux dire. Parce qu'il a l'habitude de mettre ça dans un trou, n'importe quoi, il a dit ça. Tu vois, c'est une question d'éducation. Éducation. Moi, je m'en souviens, je suis toujours un peu de temps de me dire. Les facteurs en Haïti pour venir juger ce plat. Parce que je venais la palétisation à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et les gens sont dit, quand j'ai quitté Sema le jour de la graduation, la première fois, je suis passé du côté de Akaï, du côté de Kabaré, et puis il y a une dame qui vendait des jeux, des avocats, etc. Et puis, même si tu as un avocat pour peut-être cibler là, je ne m'en souviens pas exactement le tout. Et puis, finalement, le monsieur qui était avec moi, on était trois, elle dit, au fond, le chama de l'État se fait, c'est lui, mon premier, lui, avec lui. Il dit, c'est pas vrai. La dame est partie en arrière, elle a apporté un sac d'avocats. Elle m'a apporté deux paniers de poulet et de créole. Et puis, je me dis, l'argent, elle a refusé, on ne va pas me donner la charge de tout ça, mais elle a refusé de prendre l'argent. Tu comprends? Donc, les gens veulent pas prendre, les gens veulent la prendre. Mais ça, c'est pas beaucoup, hein, pour les apprendre, non? Malheureusement. Mais vous voulez dire que le problème d'Haïti est lié à un problème d'éducation? C'est un manque d'éducation? Oui, ça. Oui, monsieur. Mais quand je parle de l'éducation, ce n'est pas une instruction, il faut éduquer. Moi, je veux dire que je suis à moi d'un petit de l'instruction publique. Et puis, quand je suis allé chez mon père, et puis je demande que je me dise à un moment donné, et puis il m'a dit que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il faut qu'on vienne. Des fois, il y a cette personne qui arrive. Mais nous autres, il y a des choses qui sont pour nous rechercher. C'est une question pour lesquelles, pour les enfants, qui grandissent, il y a plusieurs choses qui ne passent pas. Il faut les apprendre. C'est important. Alors,
je sais pas ce qu'on pourrait faire pour les deux mois, comme je dis, je voudrais être absolument compte tenu qu'il y a le Canada et les États-Unis. Et je sais que M. Bonchard était invité quand M. Biden était là. Mm-hmm. Et il y a M. Bergeron qui était présent à la rencontre et qui est porte-parole aux affaires étrangères. Je lui ai demandé personnellement une rencontre. Mm-hmm. Il n'est pas ici cette semaine. Il est parti parce que c'est lui qui est responsable. Et il me connaît parce qu'à la fin de l'entrevue, il a dit, ah, écoute, tu t'en souviens, maman, ça fait longtemps. Je l'ai vu, mais lui, il m'a reconnu, mais moi, je ne l'avais même pas reconnu. En tout cas. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais tellement, oui, oui, il va y avoir quelque chose qui va se faire. Mm-hmm. Et dans l'ensemble, moi, mm-hmm. Je sais que ça va terminer, mais dans l'ensemble, je demande à tout, maman de tout le monde, toute seule, gagne, tout le monde, mais c'est ça, moi, c'est, on ne m'a pas les préparer, mais m'a dit quand même, parce que vous avez attendu. Donc, monsieur, va une chance, va une chance qui va venir dans le pays, là. C'est payé, nous, c'est l'amour de nous, c'est coupé, donc c'est bonne chance pour nous faire, pour nous battre la occupation. Nous avons occupé nous, et puis, tout le monde de la paix, la paix, la paix. Vous dites tout le monde de la paix, maintenant, Dieu vous aime avec tout le temps, parce que regardez deux marches que nous fait, ça veut dire que le monde de la toute que nous. Donc, voilà. Quand c'est pas lui, on peut recevoir mon ami, on peut personnifier moi, comme personnage de leader de la paix et de l'amour. Ça fait quelques mois de ça. Mais docteur, merci. Donc, c'était un plaisir de nous parler cet après-midi. Et ça me ferait plaisir. Salut tout le monde de ma part. Et que Dieu bénisse Haïti, que Dieu vous bénisse à la radio, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Mon travail. Voilà. Donc, c'est avec nous, docteur Eugénia Roumain, avec nous tapé CKD. Donc, ensemble de démarches que lui-même, en tout cas, comme Haïti, puisque l'on est préoccupé par ce qui a passé en Haïti. Donc, et avec nous, on a regardé qui ça dit avant tout le monde, comme démarche pour nous. Et comment Haïti a ceci dans un passe difficile là, parce que mais vraiment, et pays a une situation difficile, mon bac à manger, mon en pile si mon bac à l'école. Donc, et surtout, si monde qui dans des quartiers et populaire et le quartier côté en tout cas et structure que nous avons considéré comme vrai l'État et n'est pas qu'à prison dans le pour assurer sécurité et dans pile de Simon Zao qui pas qu'à l'école et dans le Simon tout qui est connu sur le cabaret par exemple l'école Port-au-Prince c'est certainement je vous dis il n'y a pas qu'à venir dans sens ça et nous dit ça seulement mais on paquet grand milliers exemple et à travers le pays surtout dans certaines zones de l'aire métropolitaine donc voilà vraiment difficile et mon baga manger pas en sécurité on pas ca vaquer librement activité donc voilà c'est toute caractéristique pays d'Haïti donc nous pas passer notre phase côté que je vous dis on a permettre à quelques auditeurs auditrices qui eux-mêmes et c'est les observateurs qui a subi de ce qui a passé a dit et qui ça en tout cas et ils pensaient que le gouvernement t'a dû faire pour que bien la paix qui retournait bon on perd en tout cas relative. Moun qui t'avait participé, ou capable de aller sur 3636-0794. Qu'on a international là, et quel que soit pays qu'on a, qu'on a Haïti, et si vous avez participé dans l'émission ça pour en tout cas, ma impression sur ça que t'as fait pour la paix et retourner, pour un minimum de stabilité, et ou capable de aller sur 3636-0794. Est-ce que nous avons dit, Ozi, allô, bonsoir. Allô? Allô? Voilà, on va dire ça. Auditeur, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, auditeur. Ma femme est la joie de pitié. Ah, c'est mon auditeur, mon bâche la joie qui est très souffrant.
Mais dans le moment pas de là, il y a vraiment, vraiment dégénéré dans ce moment-là, à ce moment-là. Tellement, tellement qu'il y a un problème, tellement qu'il y a un problème. Qui compte à côté auditeur? Le gouvernement, pour lui qui pour la France, avec le bataille, pour qu'il s'accepte, il ne pas penser avec amitié, paix, dans le pays, et puis tout, on est en train de planifier des petits programmes qui nous capables de soit subvention. C'est vrai qu'il nous subvention, mais avant tout, c'est le paix pour lui, avant tout, c'est la paix pour nous jouer. Si personne n'a fait son côté par un paix dans le pays, mais comment comprendre que c'est la paix? Non, on n'a pas la parole, c'est pas des coups de bas, c'est pas des métiers qui parviennent dans un check pour moi, ça là. Mais qui ça nous fait moi-même, qui n'a pas fait ça, qui ça nous fait moi-même, fin, pour nous, quand on a une petite carrière là, fin, n'a pas fait ça. Et en plus, ça, les gouvernements qui parlent des élections dans le pays qui ont même pas même, qui n'ont pas même cassé qui est là-dedans. Comment on va faire ça, au passé? En fait, c'était ça que nous avons dit, nous avons dit, là, les situations. En fait, merci, Val, merci, quelqu'un qui a coûté la joie. Merci, auditeur. Donc, nous capables, auditeurs qui avaient participé, capables de relayer sur 36 36 07 94. Auditeur Ali, bonsoir. Oui, oui, allô, bonsoir, Scoop. Bonsoir. Nous saluons campagne, nous saluons tous les auditeurs, auditeurs et Radio Scoop FM. Nous-mêmes, sans que nous avons souligné, nous, qui n'a pas beaucoup de gens, nous c'est très difficile pour un petit citoyen avec citoyen, nous avons un Haïti pour la diaspora. Pour elle, ça va être difficile pour avoir bien la paix, c'est vrai. Mais quand même, qui pleut qu'il soit une campagne pour nous clair, pour même tout capable d'être citoyen, et il y a pour pas aller marcher de la paix d'élection qui vous fait. Et sinon, en chita, on a dit, pour moi, pas pour plus, cause d'insécurité. Pour moi, pas pour plus, parce que les jeunes qui, comme un ministre, et juste à dire, il y a la caille en haut, donc c'est la dynamique, il y a un état, quand tu veux mettre ça, il y a un run. Pour le ministre, il y a la vie beaucoup plus confortable, non, pour ce qui m'a dit, c'est le moment que tu peux passer. Donc, par conséquent, nous-mêmes, nous encourager tout acte. C'est arrangé, je veux dire, bon monsieur, nous avons deux ans et le président mourit, et tout l'aspect de président qui mourit, et nous avons arrangé dans tout le monde d'élection, nous avons fait un peu de pour qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que arrangé, quand même, pour nous, déjà, pour être économique, ça prend pour quand même, l'idée de Kaïbia, quand même, l'idée qu'un paquet de pour nous, vous avez déjà nous félicité tout le monde qui a volé le monde, mon KMD, etc. Donc, par contre, c'est que vous arrangez votre année à l'élection, peut-être de manière que c'est 2024, tout comme après mettre comme un gouvernement légitime, j'ai été dit, n'a pas n'importe quoi, n'a pas accédé à l'état de Staline, la période, et janvier qui découle, il y a 7 ans, il y a 6 mois de l'élection, peuple-là. Si nous n'avons pas tout le temps, on s'en est dit, il y a beaucoup plus de débat, c'est ça qui nous donne une campagne, et nous, c'est Jean-Charles Gagné depuis Carrefour. Merci. D'accord. Là, vous avez un minimum, hein, un climat relativement stable. Faut que le gouvernement mette toute disposition pour organiser l'élection. Nous avons l'auditeur, auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Radio, beaucoup de là, ou bien récepteur, on va connaître qui ça dit. Ok. Ouais. Bon, salut, monsieur. Un salut, tout. Monsieur, par rapport avec ça, on a constaté là, pas de aucune volonté. Pas occupé aucune mais qui a voulu faire l'élection, le premier va faire l'élection. Oui. Mm-hmm. Et par exemple, moyen qui t'a plus bien pour ne pas débarrasser de mes âges, mais je suis d'ailleurs une manifestation de bagage. Ça me suit une bagage de seule façon pour me débarrasser de vous. Si vous voulez l'élection, comment faire arranger carnaval fait dans le pays, l'élection va faire. N'importe où, vous m'avez dit que je voulais faire là. Il y a personne de toute façon qui était bien, je vais là, il y a seul, même là, du cas faire l'élection. Si bien volonté, mais comme nous, on est dans la volonté, oui. Son mal a été, le métier en face, et puis, pour capable de créer une sorte de commentaire dans les médias, et puis, le dossier a brûlé. Donc, ça arrive, donc, pour moi, l'élection, c'est en condition, c'est de quoi, nous, pour sortir de la volonté. Oui, exactement. Merci aux auditeurs pour participation. Donc voilà. Auditeurs, je pense qu'il faut. Pour nous sortir là, hein, c'est l'élection. Tout le monde qui voulait participer. Donc, quoi en Haïti, quoi à l'étranger, on peut utiliser 36 36 07 94. Donc, sujet, c'est qui ça ou même, vous pensez que tu as le fait pour un climat relativement stable.
Auditeur Ali, bonsoir. Comment est-ce? Ah ben, relativement en forme. Oui, monsieur, je parle de ce sujet-là, mais je pense qu'on est en SOS à la police. Et collecte de gosses ici, en fait. Qui côté? Oui, en dans la collecte. La collecte? Oui, on dit fait. Oui, la police, non, oui. Merci, monsieur. Et on a l'auditeur, auditeur Ali, bonsoir. Ou ka desan volume recepteur boko tout la? Merci. Ok. Bon. En tant que cas de la situation au Baïla, c'est pas sécurité avec le Baïla. Alors, en tant que cas de la situation, il y a que Karabasset Matéria. Karabasset Matéria. Bonjour, Baïla, monsieur Jacques Machoukob, monsieur Lek Baïla, c'est pour Dieu. Monsieur Lek Baïla, quand c'est ce lieu, il y a l'argent, je me suis dans le lieu. Depuis que la date qui fait chaque matin, c'est le carnaval de Dieu. Le carnaval qui fait matin, il y a beaucoup. Quand vous parlez de carnaval, est-ce qu'il y a un café de carnaval? Est-ce qu'il y a un matin de carnaval? Est-ce qu'il y a un café de carnaval? Pas de carnaval, il y a un pays. Sauf si ma vie, c'est fait. C'est écrit que vous nous viennent à payer avant de passer avec tout le bagage, mes amis. Comment on va le voter? Comme si on va le président, il va avoir une salle de vote, avant la boucle de l'utile. Comment on va faire campagne? Expliquez-moi comment on va faire campagne. Comme ça, sous pas bon à l'ISO, comment on passe avec la matisson? Sous pas bon à s'il a appris, comment on fait monter? Sous pas bon à la maison, comment on fait une campagne? Je ne parle pas de bouquet. En autre zone, je ne sais pas comment on comment faire campagne dans ça. Carnaval de Minera, il y a Félix. Dans le monde, on explique comment on fait carnaval, comment on fait élection, mais je suis à son là. Merci beaucoup. Merci, auditeur. On va continuer avec l'auditeur. Sous 3636-07-94. Situation non grave. On ne va pas manger, on ne va pas déplacer. On ne va pas être là qu'à YouTube, non? On va être comme ça. Hein? Et qui ça nous pense que tu as de fait pour que et nous venons, on s'y aller mieux? Hein? Je ne vais pas être bonnet. C'est pas difficile. Hein? Je ne vais pas être bonnet. Donc, c'est qui ça nous pense que qu'il a de fait pour nous. Un petit climat relativement stable. Bon, je dis ça, hein? Relativement, parce que pas besoin d'un climat qui est totalement stable. Donc, avec les dirigeants qui avec Mounsayo qui pensait et uniquement à la tête. Yo. Bon. En tout cas, c'est caractéristique de l'État haïtien. En général, il y a le monde qui vient diriger, qui a une chance qui veut un reine pays à la main. Yovini non perspective unique satisfait ça aucun comme désir personnel Yovini pour riche rapide donc je dis bon écoutez ils a fait masse là ils a fait population mais je dis à penser que méthode ça faut regarder le dirigeant on a fait politique dans pays faut regarder méthode là façon de faire ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut nous déclarer que le démodé, l'obsolète, dépassé parce que, en pile, là, nous comme vous voulez, nous avons bien vous voulez, mais nous ne pouvons pas vivre comme vous à l'aise. Hein? Résultat, vous montrez ça. En pile, là, nous quittons en bas, dans les routes, nous sommes obligés de courir aujourd'hui. Ça est important. Hein? Ça est important. Donc, nous avons participé sur 36-36-07. 94 pour nous faire impression, non? Dans le cas d'émission aujourd'hui, en tout cas, dernière sortie, émission Haïti Débat, donc, sous situation pays, qui ça, nous pensons qui t'a été fait en réalité pour sortir pays dans situation difficile. Là. Mais vraiment, dans situation difficile. Lorsqu'on taux d'inflation à 50%, nous comptons ça veut dire, puisque les salaires ont été stables, avant rien changé. Ouais, auditeur Ali, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, à couper tabac. Tabac,
On parle du tabac. Ok, mon cher man, on va faire l'élection pour faire. L'élection va faire avant un mec qui se réserve. Qui est notre grand président? Qui t'a? Non, mon cher. Comme ça, pas là, pas comprendre le bête. On va aller battre la balle. Eh bien, si vous avez seulement la parole de la démocratie, vous avez représentative là, dit non. Et pas vous seul qui va le voter, non? Le maître Rélé, 36-36. 07-94. Ok. Bon, rapide, mon campagne, parce que c'est l'élection de fête. T'as semblé dans une zone de problème. Parce que zone Madeleine, il y a 5 heures, vous voyez un message vous là. Bon, on va regarder le message là parce que t'as semblé très compliqué. Quoi dit zone Madeleine? Notre tête, Dieg. On va regarder le message là. Oh, zone, on allait. Voilà, donc. T'as semblé bandit à Poupé Kounia dans la zone là. Zone Madeleine. Qui est notre tête, Dieg, en Pétionville. Donc, c'est une localité qui est les Madeleine. Donc, c'est Yoli et Sincteur. Jean-Yoli Poulin et Sincteur. Vous allez me dire sont à l'aise. Oui, donc il y a Poupé actuellement. Et à l'aise. C'est très compliqué. Val. Ah bien, problème, hein? C'est situation pays, non? Et qu'on s'appelle Yaye. Et 36-36-07-94, donc pour participer dans l'émission 1. Vous êtes là, bonsoir. Allô? 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 Tout à l'heure, est-ce que le pays a fait une élection? Nous avons une élection. Comment on a fait une élection? On parle contre l'élection. Vous êtes là, comment on a calé le volume? Mais c'est peut-être beaucoup de là? S'il vous plaît. Vous avez bien passé. Ok. Vous avez compris là? Oui, alors ça peut aller. Ok, ça va. Vous avez un problème, c'est comment on fait une élection? Oui, c'est une élection. Parce que la note ça haut, le dernier note ça haut, volé ça haut. C'est pas une amie et une pille. Bah, au cas où, l'homme de l'île, on vient d'arriver, comment ça dit? Malgré le cap, cette tâche, je viens là, je viens là, je suis. Mais je viens là, tout le monde, qu'on a des quatre portes, une déposition de massacre, il y a un massacre qui fait quoi? Tout massacre légal. Et, non seulement illégal, il n'y a pas de condition d'aucun. Aucun. Il y a là, massacre qui parle de l'homme qui fait. Il y a un massacre, c'est pas un tapeur. Pas d'aucun qui cause. Tout le monde est irresponsable. Nous avons un chef de police qui avait des haines. Seulement, c'est la République de Poche. André Michel Cachon Côté, c'est là. Marie-Michel, c'est là. Bruel Cassi, c'est là. Oli Timothée, c'est là. Bruel Cassi, Bruel Cassi qui dépouvoir. Comment? Bruel Cassi qui dépouvoir, on va connaître. Oui, c'est plus, vous SDP Nenel, SDP Majou, Michel, André Michel et puis Ika, c'est ça, me dit qu'on est. Je vais vous dire que je vais vous dire. Si je suis venu à la ville, allô? Ok, oui, on va parler? Pour nous qui a parlé de questions de sécurité, nous avons constaté dans la zone Fort Jacques, c'est une zone ça, où on a beaucoup de visites de l'homme.
nous avons eu contact, nous comme dans l'envoi. Moi, c'est ma tête qui était mon jeune, il est artiste. Avec les mêmes groupes de gangs, je dis mon artiste, je n'ai pas besoin de courir à faire rien. Comment c'est notre allié? Quand on a fait un avant, la salle soldat, la salle résistance. Et puis, ça a quand même le rythme de la lèvre. Ok, donc, insécurité, c'est un malade qui, c'est pas comme si on vous mette, qui est envoyé. Pas un groupe, mais qui prend un groupe qui prend la rue. Donc, c'est un malade qui planifie à un niveau que tu es sorti là. Et si c'est pas, si c'est un monsieur qui a été. Qui peut se lever, qui met sur le bord du côté des armes, ça a les bandits, il va préparer les autres déjà. Et ça, c'est le bon, tu vas aller sortir à un tel qui dépasse. Merci, auditeur. Voilà, auditeur, ça pense que sécurité à planifier. Et voilà, donc à continuer, il est sur 36-36. 0794 pour nous participer dans l'émission aujourd'hui. Donc, en tout cas, la parole est libérée. Elle a été toujours ainsi, en tout cas. Aujourd'hui, c'est la parole populaire. Hein? Faut. Nous, le peuple, on s'y parle tous, Steven, je dis. Parce que eux-mêmes, tout. Gagnez-les, leur besoin de là, on dit, ah non, il n'est pas bon. Il n'est pas au plus du tout. On dit, toi, il est bon, ça. Oui. Bon, moi-même, je suis pour l'élection. Mais, pour l'élection, mais pas pour le moment. Pour le moment là, l'élection va possible. Ok. Je suis à fait 3 jours. Et mon qui a parlé là, sénateur, c'est Zamine. Ok. Et mon pays, et puis c'est Zamine. Et m'a pas non, mais que mon qui a connu voir, nous sommes Zamine. C'est Zamine, Zamine. Si nous avons la radio, m'a parlé, m'a dit, nous sommes Zamine. Si nous avons la radio, m'a dit, nous sommes Zamine. Tout le monde connaît ce monde. Oui, vous-même, ça qui vous faites là, tout le monde a pris, même pensé, vous tapez ce point sur celle bagaille. Actuellement, où est-ce qu'il y a la tête? Il y a tout le monde. 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 Il y
jeune fille pour balle sous tête, c'est au cas qui demande car il voit nouvelle là. Jeune fille pour balle sous tête, on mourit des avec tous les cas en local, on mort, on malade des vivants, même pas car on est non. Moi-même, est-ce que tu as capable de faire un travail pour une même l'hôpital? Ou pas capable? Ou pas vous? Il t'a voulu même capable? Il t'a voulu pour te dire que nous la première là. Ça existe pour nous toutes les personnes. Nous qui la boue de sécurité, nous faisons de sécurité, et puis tout de sécurité et le sommeil de l'eau. Mais tout comme il y a là, même pas de problème. Moi-même, si nous nous cassons l'élection, non, moi, mais là, et on est sûr que quand c'est une sortie côté de nous là, il casse l'élection dans moi, mais là, bon, vous votez là, vous cherchez la caille, même les votez là, vous pas tout, même la caille. Pas de problème, parce que quand on a dans le milieu de là, il collecte à poitrer maintenant la poitrer. Mais si bien l'élection là, comment on peut aller, il y a l'élection maintenant à collecte. Vous ne voyez pas le vous ne voyez pas le village. Vous n'avez pas bouché sur mon nom à son premier, il n'y a pas qu'à mon village. Si vous vivez là, c'est là, non, oui. Est-ce qu'il y a bouché sur la caille, vous ne voulez pas vous dire. Vous n'avez pas le vivre. Parce que vous n'avez pas la sécurité à vous devant et le sauveur de l'eau. Merci. Mais vous n'avez pas à devant pour ce qui est de l'eau. Merci, auditeur. Merci, Paul. Voilà, la parole de l'auditeur. Auditeur, allez, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce? Salut. C'est le manou Badandou. Salut, chers amis, comment est-ce? Ah ben, n'a pas aimé. Mon cher, pour me faire suite à ça, c'est mieux dit que je suis allé à Rome, je suis à des sénateurs. Je suis seul pays. Nous pouvons vous dire ça. Et il a parlé, donc, il n'a pas les droits, mon nom, Sizan. Voilà, c'est. C'est la parole populaire, il faut libérer la parole. Et oui, donc à continuer, il est sur 36-36-07-94 pour que nous participions dans l'émission aujourd'hui. Voilà. Auditeur, allez, bonsoir. D'accord, nous sommes salués au campagne. Salut, mon cher. Et puis nous mettons une question. Bon, nous disons un bagage campagne, d'abord, un gars qui connaît des gars sans pile et faux. Ou même, étant donné qu'il y a des analystes politiques et des finalistes. Ou qui ont des voix d'avantage pour commencer de côté de la nation toujours. Et il y a votre passé de vos deux moments là. D'abord, vous dites, j'ai certains médias qui complices, c'est que tout le monde n'est pas complice, même si j'ai une tête là, je dis là, je dis là, je dis là, je dis là. Donc, à chaque fois, nous, ouais, on essaie de dire, c'est nous-mêmes qui chantent, pour nous parler, parce que des millions, on a fait, nous, on a fait, on a fait, on a fait, avec tout le monde, des millions, on a fait, c'est-à-dire que des messages, à la vie que nous parlons, pour nous avoir fait, comprendre, il y a pour y aller, il y a, il y a, au niveau du niveau de la guerre, mais nous parlons, pendant plus de 10 années d'années,
côté de la ligue de Merci. Voilà. On a dit, on a dit, donc, dans l'académie aujourd'hui, parce que c'est le vendredi populaire. Il y a un peu de monde qui pensait que c'est l'élection pour organiser, pour que nous sortions de ce côté, dans les bases difficiles, nous, là. Il y a un peu de monde qui pensait que, bon, écoutez, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas lieu de parler d'élection dans ce pays. Il faut d'abord donc s'organiser pour donner à la population de la sécurité. C'est ça un peu mon pensée. Et donc voilà, si pas mon dernier auditeur, voilà mon dernier auditeur. Auditeur, bonsoir. Bonsoir. Mais, avec ces batailles. Et m'a pas vous belle émission pour l'enfer dans le barrage, monsieur. Merci. Donc, gros bout de chat pour vous déjà, vous moi. Eh bien, déjà attendez. Ok. Et moi, je vais faire avant toute bagarre, il y a quelque chose à problème, quelque chose à l'année, il y a un vent et un félicité. Un félicité d'abord. Après la vie chère, pour une élection, le bagage. Je veux dire, nous avons 40 mounes, nous ne pas prendre un moun encore. Tout le monde peut mourir, vous venez, nous allons faire des problèmes. C'est un petit peu d'abord. C'est notre papa, un petit peu de mal, un petit peu de faut nous venir avec un peu de mon habitat. Et nous, je suis en train de faire des cadeaux. Mais ça, c'est le droit de le un joli chef là. Ah, mais le chef. On prend un exemple et quand on a pris le président Salvador, c'est pas toujours pour tomber. Ah, monsieur. Donc, les cultures ne sont pas les mêmes, mon cher ami. Non, même si vous avez. Il y a presque bon de boutons. Il y a presque non bon de boutons même. Il n'y a pas bien qui là. Il n'y a pas bien qu'à vivre là. Pour cette trois ans, il jamais. Ah, mon cher. Merci. Voilà, c'était dernier auditeur dans le cadre de l'émission Josiane Haïti Débat. Donc, nous saluons tout le monde qui t'attendait. En particulier, tout le monde, c'est Michel de Blatala qui t'attendait sur Radio Salem. Salem, hein. Nous saluons PDG ça. Et Isaïe Elveus. Merci à tout le monde. Bon rendez-vous pour lundi pour notre émission Haïti Débat. Émission de. D'échange, le débat, mais le débat contradictoire. Puisque l'espace, ça, c'est l'espace d'apprentissage démocratique par excellence. Merci tout le monde. Allons-y.